Salut tout le monde, c'est Céline Kakiran pour la suite de l'aventure Pokémon Argent. Épisode 15, et j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Bah, ça fait bien avant les événements tragiques sur Paris. Ouais, donc ça fait au moins 2 semaines. Au moins. Je sais même pas quel jour on est, donc je saurais pas te dire. Ça fait au moins 2 semaines, donc ça fait longtemps. Et je suis dans un repère... Team Rocket, et je sais plus si je dois partir à gauche ou à droite. À gauche, de mémoire, tu viens de la droite. Alors, quoi ? Quel Pokémon tu as en premier ? Quel est son état ? Je ne sais plus. Voilà. Choupiette. Ouais, ça pue un peu. Ouais, non, on voulait la faire EP. Tu te rappelles ? Oui. 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 Oui, tout à fait. Bon bah avis aux amateurs, hein, il y a eu quand même du pixel art qui a été mis en ligne ces derniers temps. On vous a pas laissé seul quand même pendant ces 2 semaines. Pas très drôle. Et plus récemment, il y a celui de Final Fantasy VII. Oui, et entre temps, il y a eu celui d'Hunger Games aussi. Ah putain, je l'ai oublié celui-là. Désolé. Ah pas moi, je l'ai pas oublié celui-là. Ouais, c'est vrai que je vois pas comment j'ai fait pour oublier vu que je me suis farci le montage. Ah ouais, non, il était pénible. Il était très pénible parce que c'était en mini-perle. Hein. Et donc c'est beaucoup plus long, hein, fatalement, parce que c'est un modèle assez complexe. Et donc c'était long. Et en plus, il a fallu que je casse tout. Avec mes manches. Là, tu spoil à ceux qui n'ont pas encore vu. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très très grave. Quoi. Justement, ils voudront voir comment j'ai foiré le truc, tu vois. Ouais, vite fait. Bon, qu'est-ce que t'en penses de la choupiette rose ? Bah, écoute, c'est une choupiette rose. Est-ce que tu t'es placé ? Est-ce que t'as fait boule armure ? Oui. Et là, t'es parti sur une série de roulades ? C'est ça. Je trouve ça faible. Bah écoute. Comment ça se fait qu'il a perdu un peu de vie avant ? J'ai pas compris. Qui a perdu de la vie ? Non, rien, mais j'ai pas dû suivre, laisse tomber. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que j'ai pas compris. D'accord. Okay. On va faire plus simple. Ça, c'est intéressant. Bon, histoire 2. On enchaîne tout de suite. Avec les commentaires. Alors, on commence par Dimitri. Je suis tout oui. Et dès la première phrase, j'ai déjà honte. Coucou vous deux, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Ça, c'était ce qu'on avait dit la dernière fois. Et là, maintenant, c'est lui qui pourrait dire ça. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc la dernière fois, c'est vrai qu'on avait dit. il dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Enfin, non, c'est nous qui avions dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles. Et il dit, j'ai laissé des commentaires sur les épisodes 11, 12, c'est pas si vieux. C'est vrai, mais c'est vrai. J'ai bien regardé l'épisode 13 ce soir. Le soir même, pardon, de la sortie, j'étais tellement crevé que je me suis endormi comme une mâche juste après, même pas eu le temps de laisser un commentaire. Mais j'ai trouvé ça hyper gentil de la part de Selinka de vouloir tourner un épisode malgré le fait qu'elle était malade. Ouais, cet épisode était pénible. Hein, quand ouais, même. J'aurais pas dû. Honnêtement, j'aurais pas dû. J'aurais mieux fait d'aller me coucher et puis de me soigner. Mais bon, moi je te l'ai dit, hein. Côté boulot, tout va très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a vraiment une super ambiance dans l'équipe. On s'est même fait un resto ensemble. Alors ça, franchement... Ça, c'est cool. Moi, j'ai vécu ça. Une équipe soudée au début, où vraiment, le midi, ouais, tu... C'est ça. Tu t'évades un peu. C'est ça, ouais. Tu partages un moment, c'est pas que des collègues. Enfin, attention, les gens au travail... C'est bien que ça reste quand même des collègues avec qui on s'entend bien. En général, ouais, on sait jamais ce qui peut se passer après. Hein. Les liens d'amitié, c'est pas impossible, mais méfiez-vous. Donc, c'est ça. Enfin, méfiez-vous, non. Soyez mesurés. Voilà, je vais donner un bon conseil, c'est soyez mesurés, parce qu'on sait jamais ce qui peut vous arriver. Je vois que tu as un souci. Je suis embêtée parce que je trouve qu'il a perdu quand même pas mal de vie. Donc je voulais le soigner et j'ai plus rien pour soigner. T'as rien de rien, montre-moi. Rien de rien. Rien. Chut. J'ai grain miracle. Non, ça, on s'en fout. Non, en fait. C'était dans cette. Voilà, j'ai grain miracle. Tac, tac, tac. Même pas une baie, quoi. Ouais, descend. J'ai rien. Donc il vaut mieux que je m'en aille, que je revienne. Oui, ça vaudrait mieux. Mais je sais plus par où c'est la sortie. Bah, à droite.
C'était l'escalier qui était... là, je pense. Hein. Ouais. T'avais déjà fait ça. Oui. Et normalement... Non, ça, c'est la phase après. Ici, Peter était... Oui, marche là-dessus. Non, non, non. Marche là-dessus. Voilà. Non, à droite. C'est pas possible. Allez, sors, va les soigner. Et pense à acheter des potions peut-être cette fois-ci. Oui, mais là oui, je vais aller faire ça. Donc, okay. je reprends. Je reprends. Là, je, tu vas pouvoir gérer. Ça devrait aller. On s'est même fait un resto ensemble. Le boulot en lui-même est sympa, bien qu'assez intense, dans le sens où il faut être constamment concentré. Vraiment, pour un premier job, c'est top. Après, c'est au niveau des horaires que c'est un peu compliqué. Il y a des semaines où je finis à 19h30. J'avoue, ça, c'est temps d'action. Moi, ça me fait pas peur, parce que je l'ai... Ouais, mais ça dépend de l'heure à laquelle tu vas commencer. Ouais, donc, ouais. Tu peux rien acheter, il me semble, dans cette ville. Bah non, c'est problématique. Bah, on a pas quelqu'un qui vend des bonbons rage. Lui, peut-être. Non, à gauche. Ouais, à gauche. Lui, il ne vend rien. Non, 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 non. Bon, alors à droite, le mec à droite. Peut-être il t'en vend. Voilà. Délicieux bonbon rage. C'est bien. Et ça coûte 300. Cher. Ça coûte cher, mais il me semble que c'est une potion. Moi, j'ai du. Fais oui. Fais oui. Et regarde ce que ça fait. Bah. Ça... Non, 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 mais tu vas pas l'utiliser, mais il y a une description dessus, c'est ça que je veux dire. Ouais. 20 PV, c'est de la... 20 pour 300, c'est de la merde. Hein. C'est un peu de la grosse bombe, bah, quoi. Tu t'es fait... Non, non, tu vas pas le tester. Non, je vais m'envoler. C'est vrai que tu as vol, maintenant. J'ai vol, je m'envole. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Tu peux faire que haut et bas. Oui. Oui, où tu veux. Où il y a un magasin, quoi. Magasin. Bref, 19h30. Donc, le temps de rentrer, de manger un bout, d'aller à la douche. Bah, après, je m'écroule dans mon lit. Ouais. Puis le fait de travailler le samedi aussi. Enfin. Ça doit être pénible. Je suis très content d'avoir trouvé ce boulot. Puis ma supérieure m'a dit que j'avais le potentiel pour vite évoluer, donc ça fait plaisir. Alors, attention. Le fait qu'elle te le dise veut pas dire que tu vas forcément évoluer. Oui. Des fois, je trouve que c'est un peu la façon de... pas d'entuber les jeunes, mais c'est... Tu non, leur fais miroiter un petit truc. Voilà, c'est ça pour qu'ils restent. Ouais. Voilà, bon, après... Mais après, on dit pas que c'est ça. Hein. Non. Non, 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 non. Heureusement, c'est pas ça partout. Mais oui, ça fait plaisir. Ah là là, c'est Linka qui se fait arnaquer pour la troisième fois de 1000 Poké-Dollars. Au péage des deux connards de la Team Rocket, ça fait quand même... Allez, retour, allez. J'avoue. Non, mais j'avoue, hein. Oui, écoute... D'ailleurs, Jasmine. Si vous y retournez maintenant, on vous donnera la société Bomberk. Où ça? Les deux connards? Mais non. Les deux connards? Faudra que je vérifie, parce que ça peut être intéressant. La société Bomberk, c'est assez violent. J'aime beaucoup cette... arc de l'aventure avec la Team Rocket. Ah, j'ai pas ça. Non, non, tu peux aller à droite, là, non? Mais je me suis passé. Non, mais là, tu as un Pokémon sur chaque ligne. Je vais zapper. Remonte et fais le tour à droite, s'il te plaît. Je vais faire le tour. Des bisous. Des bisous. Voilà. Fuite, mais c'est peu... Ouais, c'est bien, ça me semble. En fait, c'est un combat obligatoire, donc... Allez. On est parti. Voilà, alors, vivement la suite et la prochaine arène aussi qui devrait être du gâteau. Oui, effectivement, la prochaine arène, ça c'est va... quoi la prochaine arène? Ah bah, je vais pas te le dire. Tu le découvriras. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que c'est raccord avec la saison. Glace. Voilà. C'est vrai qu'il fait froid en ce moment. Il aurait dû dire d'ailleurs, ça va être de la glace. Comme une glace. Un esquimau. Ça va être de l'esquimau. Non, personne ne dit ça. Non, ça fait un peu moche. Personne ne dit ça, jamais, jamais. Ça fait un peu moche. Gros bisous à tous les deux. Les hiboux. Voire trois. C'est gentil, ça. C'est gentil. C'est gentil. Mais après, il compte le chat ou la gamine? Va savoir. Ah, je sais pas, hein. Est-ce que tu l'as? Non, je l'ai quand même pas. Donc, t'as pas pris l'objet derrière? Une cachette ninja. Prenez soin de vous en ces temps difficiles. Ouais. Effectivement, ces temps étaient bien difficiles.
là là, c'est un abonné, mon Dieu, qu'il est vieux. Je m'en souviens. Oui, qu'il est vieux. Alors, je sois poli. Non, mais c'est-à-dire que tu l'as depuis longtemps. Je sais, donc, je l'ai compris. En entier, c'est la pique à critique avec Lionel B. Donc on va t'appeler Lionel, hein, parce que sinon, c'est trop long. Mince, j'ai oublié l'existence de ce let's play. Pourquoi cela me rend triste? Alors, il explique. Parce que je voulais dire qu'on peut aller au lac colère avant d'avoir le badge choc et le badge minéral. Pour faire simple, après avoir battu Mortimer, on peut aller soit gagner le badge de Fredo, soit gagner le badge de choc. Ce sera une des rares fois où on pourra choisir un ordre... choisir l'ordre dans lequel on veut affronter les champions d'arène. Et c'est vrai. Attends, là, clairement, Pokémon est un jeu linéaire. Mmh, tu fais les choses dans un ordre bien précis. Et bah pas là. D'accord. Comme il le dit, après avoir battu Mortimer, tu peux... Magnétique est sensible à quoi, juste? Au sol. Au sol, alors on prend parabole. Et puis voilà. Excuse-moi, vas-y. Il y a pas de souci. En fait, il est acier électrique. L'acier craint le sol, l'électricité craint le sol. Voilà, fin de l'histoire. Coup de beau. Vas-y, reprends, je t'écoute. Il n'y a pas de souci. Non, mais je t'expliquais juste que là, il te dit qu'on peut affronter les champions d'arène à partir de ce moment-là, dans l'ordre qu'on veut. C'est, voilà. C'est sympa. Tu choisissais juste pour Fredo ou Chuck. C'était toi qui le gérais. Ouh là là, la grosse fatigue. Non, c'est pas vrai. Vous avez rien vu. Aslik, salut à tous. Salut. Bonjour. Chaton. On expliquera plus tard ça. Décidément, ça veut pas pour le Laviator. Laviator. Super machine. Tu m'as tué avec la laverie automatique. Pour Margot, je suis... Mais on peut pas passer. Ah, on peut pas passer. Ah. Et là, il y a un autre passage, là. Oui. Oui. Bah, tout à fait. Bah, trouve. Ah. Non, mais c'est pas possible, Selinka. À un moment... Là. Voilà. T'es pas coincé. T'es juste bête. Non, mais non, j'étais pas coincé. Pas pour de vrai. Bref. Pour Margot, je suis très flatté, Kiran, mais ça relève quand même... bien plus de la chance que du génie. Mais peut-être que des fois, la chance, c'est aussi du génie. Ouais. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord. Les gens qui savent utiliser la chance sont des génies. Oui, non, mais t'es pas vraiment maître de la chance que tu as. Tu peux la provoquer. Au fait, ce n'est pas Justice Mister dont tu voulais parler quand tu cites de vos abonnés. En fait, je pense que si, parce que Justice Mister, c'était quelqu'un avec qui je parlais sur Battle.net à l'époque où je faisais le défi Iron Man. Sauf qu'il avait un autre pseudo sur Battle.net et j'arrive plus à m'en rappeler. Et c'est celui-ci sûrement dont j'essayais de me souvenir. Donc si, c'est fort possible. Mais après, il y en a d'autres. Hein, Oui. Malheureusement, j'arrive plus à m'en rappeler. Parce que... mine de rien, ça fait, on a quand même un certain nombre et c'est pas évident de se souvenir de tous. Oui, ça fait un moment maintenant. Hein. J'avais un peu échangé avec lui concernant son bac de philo, il était sympa. Bah honnêtement, je vais pas vous mentir, la chaîne actuellement, je crois que on a banni 2 personnes de la chaîne. Mais banni genre impossibilité pour eux de commenter. Non, ils étaient vraiment pas... Ah, ils étaient vraiment injurieux. Pas sympa, oui. En plus, ils se prenaient le chou entre eux, là. C'était assez pénible, tout ça. Ouais, enfin, voilà, ça servait à rien. Non, ça c'était allé trop loin. Ça mettait une ambiance de merde, c'était pas... Ouais. Voilà. On s'est pas posé de questions, et puis... Bon, sinon, si ça peut te faire sentir moins seul, Selinka, moi aussi... J'ai vu mon premier James Bond il y a peu de temps. Ah, c'est... tu vois, je suis pas la seule. Il cite Casino Royale. Il faut aussi que je regarde Quantum of Solace. Bah, on l'a vu. Et Skyfall. Quantum of Solace, on l'a vu dimanche dernier. Ouais, mais c'est vrai que les récents, je les ai pas vus. Les anciens, je les connais très très bien. Enfin, si, maintenant, j'ai vu Quantum of Solace et Skyfall. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, on a fait dans le mauvais. Ouais, mon Dieu. Après, il n'y a pas de suite vraiment logique. On s'en fiche. Hein. Il ne semble pas.
Quantum of Solace, c'était le premier avec Daniel Craig. C'est vraiment à moi que tu demandes ça? Oui. Je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à ça, vraiment. Je crois. Hein. Donc il dit, parce que le nombre de fois que j'en entends parler, ça devient difficile de passer à côté. Effectivement, passer à côté de James Bond, c'est presque comme passer à côté, je dirais, de Star Wars. Non, c'est pas toi que je vise, mais si tu peux. J'essaie de comparer. Mais oui, c'est ça. C'est une. Ouais. Et encore que non, parce que je sais pas. James Bond, ça continue d'être à jour, ça continue d'être actuel. Oui. Il y a. Bah, en quelque sorte Star Wars aussi, vu qu'il y en a un qui va sortir dans quelques jours. Bah bon, après 20 ans. Je vais rester poli, mais mon sabre laser sur ton front. Je comprends l'intention. Voilà. À un moment, faut arrêter un peu. Ça, je dis pas que j'irai pas le voir, hein, mais j'irai pas le voir au moment où tout le monde va le rusher, quoi. C'est pas la peine. Ouais, ce un sera... objet, un objet. J'ai vu. Pépite. Non, c'était 46. C'est quoi là, c'était 46. Allez. Larsen. Tu paries sur quoi? Larsen. Larsen. Non. T'étais dans la bonne poche. Oui, hein. Il faut faire. C'est Linka. Oh là si là. Si tu fais gauche et droite, Larsen. C'était 46, c'était Larsen. Et ouais, eh ben dis donc. Quelle mémoire. Non, c'est pas ça, c'est que c'est une CT qui est importante en stratégie. Ah. Je sais pas s'il t'attaque ou pas. Attends. Au fait. Qui c'est le type avec la cape? T'as vu qui c'est? Qui c'est, putain? Qui c'est? C'est pas grave, je pourrais le voir dans pas longtemps. Il raconte que je m'aime. Comment? Tu crois ça? Oh! Face à un minable! Et gros! Moi je parle de minable. Crétin. Oh! Ah, oh, ça évolue! Pas à chaque fois. Vous me faites. Toute pitié, dire. Tu sais qui c'est lui? Je t'écoute. Le fils de Giovanni. Ah ouais? Ouais. Il y a un arc spécial qui n'existait qu'au Japon. C'était comme un DLC, sauf que celui-là, je crois que tu le payais pas. C'était un événement spécial qu'il fallait télécharger. D'accord. Tu viens de quel escalier? Je sais plus. De celui-là. Alors, prends l'autre. Mais je suis allé là, c'était pour le objet. Ah oui, merde. Je suis coincé. Bah là, non mais parle à la porte. Mais la porte, elle me dit qu'il faut deux mots de passe. Elle est pas très causante, la porte. Faut deux mots de passe. Bon. Voilà, je suis coincée. Alors, tu reviens sur tes... Oh. Ah, mais il y a aussi un truc, il me semble... Parle au gars que t'as battu. Lui, par exemple. Non, bon. Tu devrais... Il faut que tu puisses les trouver. De toute façon, ils sont accessibles quelque part. Ah, un ordi, par exemple. Ouais, j'ai essayé non, de parler à l'ordi. Sur le clavier. Non, rien du tout. Okay. Rien du tout. Donc, je finis. Ah, il dit, allez. Ben, en plus pff, lui aussi, il finit en disant... Allez, bisous, et vive les Pokémon plantes. Des bisous. C'est vrai qu'on... Avec les Pokémon plantes, ça passe pas bien. Là, il y a plein d'ordi. Je sais pas, parle aux gens. Parle aux gens. Non, mais parle aux gens. Signal radio, non. Il faut que quelqu'un te donne le mot de passe. Donne-moi le mot de passe. Non, lui, on savait qu'il lui avait pété les dents. Elle est peut-être... De là. Que Ramolos. Que Ramolos. Mais ça te sert à rien. Ça en est... D'accord. Il y en a 3 ou 2? J'en sais rien. Mais tu vois, je savais bien qu'il fallait leur parler. Ouais, je m'en fous. Gnarque, les mots de passe. Cœur à t'attaque. Voilà, c'est bon, t'as les deux. Et tu vois, je le savais. Il faut parler aux gens, Céline Ka. Faut se montrer sociable. Ah, mais ouais, allez, c'est pas mon fort. On passe sur Monsieur Pitt. Piti. Ah bah lui il dit lui il est pas cool hein. Il dit bravo Léviator. Ouais non mais on savait que Piti était pas sympa. N'empêche.
Vous pouvez vous sentir vexé. Ce Pokémon a préféré se suicider après avoir usé toutes vos potions plutôt que d'entrer dans votre seul Hyper Ball. Alors qu'il était paralysé et dans le rouge. Ah, ça va. Pour Kaamelott, alors, effectivement, j'étais pas très calé sur le sujet, donc Pity apporte sa précision qui est quand même très intéressante. Il nous précise que c'est pas du tout M6 qui posait souci, c'est Bruno Solo et Jean-Yves Robin, dirigeant de CLT, donc ça doit se dire CALT. Bon, bref. Ouais, Bruno Solo, oui, je savais que Bruno Solo, il n'était pas toujours très réglo. Qui était coproducteur de la série, il me semble. Astier lui-même a dit plusieurs fois très clairement que ce n'était pas M6 qui posait souci. D'ailleurs, ça aurait été d'autant plus bizarre qu'Astier accepte de faire le domaine des dieux s'il avait été en mal avec M6, effectivement. C'est vrai que c'était une production M6. Ouais. Après, ça aurait pu être genre une négociation. Je fais un film, vous me rendez mon film. Ouais, mais... Tac. Le domaine des dieux étant une production de M6. Et Selinka, t'es sérieuse d'utiliser un super bonbon pour ton Typhlosion qui avait sa barre d'XP remplie aux deux tiers, en espérant qu'il regagne des PV. Oui. Enfin, bien joué quand même pour Ferrisson. Écoute, quand tu sais pas, bah, gagné... tu tentes, voilà. Non, qui a gagné 6 niveaux durant cet épisode. Ah, il est balèze. Bisous à vous deux et au prochain épisode. Alors, des bisous. Alors, pitié. Par pitié, pitié. Ne te prends pas la tête avec toutes les actions incohérentes de la Miss, parce que là, t'as pas fini. C'est mort. Après, s'il veut, on va pas l'en empêcher. Ouais, mais là, c'est le cancer du cerveau, hein. Je te le diagnostique plus vite que Dr House. Hein. Rien que là, pendant ce combat, j'ai fait à chaque fois, voulez-vous changer de Pokémon ? À chaque fois, j'ai fait oui pour revenir en arrière. Ouais, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Comme ça, après, on fait des épisodes de 2 heures où il s'est passé 10 minutes de jeu. Voilà. On est heureux. Allez. Niveau 27 pour Choupiette. Bilouret. Bonjour à tous. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. Ça va. Ça va. Ça va bien. Dommage pour le Léviator, mais bon, c'est pas de chance. Content pour Alexandre Astier et Kaamelott qui sera de retour, mais ne mettons pas la charrue avant les deux. Ouais, ça va pas se faire tout de suite, ça. Moi, je n'ai pas vu l'exoconférence, pauvre de moi. Alors, elle est disponible, tu peux la trouver sur YouTube. Et franchement, t'as parlé au Piaf ? Oui. Ah, ok. Il est débile. Oui, c'est Vive Giovanni, à tous les coups. Plus calme. Il faut que tu retournes au premier étage. Ouais, là, tu vois, là-dessous, tu vas faire tout le tour et il faut que tu descendes. Donc, pour l'exoconférence, je te conseille vraiment d'aller le regarder parce que il y a peu de chances que vous passiez un mauvais moment devant ça. Bon, mais le spectacle avant... Que ma joie demeure, si j'ai bonne mémoire. Celui-là. Tu as bonne mémoire, oui, donc il a vu que ma joie demeure. Franchement, celui-là aussi, il est bien. Il est bien, ouais. Par contre, si tu t'y connais pas très bien en musique, par moment... T'es un peu largué, mais encore c'est quand même compréhensible. T'es largué violent. C'est compréhensible. Non, il y a des moments, il y avait des gens qui rigolaient, et t'avais aucune idée de pourquoi. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Là, attends, je parle plus parce qu'il se passe un truc marrant, il me semble. Enfin, marrant. Vas-y. Tu pourras pas nous avoir tous les deux. C'est bête, mais tiens-toi prêt à prendre cher. Ultra laser. Bing, et bang, et boum. Non, c'est pas ça. Et voilà. Où est ton sens de l'honneur, t'as vu? Ça. T'avais un complice. Ah, bouh, t'as pas d'honneur. Oh, pas d'honneur. Pas d'honneur. Bref. Fight. Cade Rocket. Bref. Arbok. Les pixels World de Selinka me manquaient. Bah écoute, là, on va dire il y en a 2,5. Hein, parce que celui pour Paris, on l'inclut pas vraiment dedans. Non, on l'inclut pas du tout. Tu te places ? Je me place. Bouddha. Je ne sais pas pour vous. Bah écoute, si, parce qu'on en a refait. C'est vrai que les news de chez Blizzard ont fait des heureux à la BlizzCon. Ouais, et d'ailleurs,
Attends, zut, je fais des bêtises. Voilà. Où est-ce que j'en étais, zut? Quel que soit le jeu, je pense. Oui, 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 évidemment. Oui. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, à la prochaine. Et là, on en a fini avec les commentaires, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est fait. Voilà. Des bisous à tous. Et alors, effectivement, pour les jeux Blizzard. D'ailleurs, au passage, si parmi vous, il y a des joueurs de Heroes of the Storm, j'ai en ma possession Shogal, si jamais ça intéresse quelqu'un de le récupérer avant qu'il soit accessible oui. Avec des PO, on va dire. Parce que là, on peut l'avoir gratuitement. C'est comme un virus. Vraiment, le concept est comme un virus. C'est-à-dire, les gens de la BlizzCon sont infectés. Ils vont jouer... Oula, le bâillement arrive. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mets-toi une claque. Tout de suite. Non. Bref. J'ai vraiment pas les gens de la BlizzCon sont infectés par le virus Shogal. Pour le distribuer, il faut qu'il joue deux parties avec quelqu'un qui ne l'a pas. Et en fait, cette personne possède à son tour Shogal. Et pour le transmettre, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est encore etc. plus contagieux que la grippe. Ouais, il faut quand même le faire deux fois, quoi. Bah ouais. Mais c'est vrai que le concept est amusant. Après, Shogal en lui-même, je l'ai testé. Il est marrant en quick match, en ligue héroïque. Mais... soit tu tombes sur un Shogal de folie, enfin donc un duo qui est vraiment opérationnel quoi, qui est vraiment capable de gérer ses combos à la perfection, soit c'est un putain de poids mort pour l'équipe. Bah c'est ce qu'il disait déjà, en tout cas. Déjà il y a deux contres qui sont excellents à Shogal. Le contre, on va dire le plus évident, c'est Luizel, de par sa métamorphose qui peut balancer régulièrement. En fait, quand il métamorphose Shogal, il contre deux joueurs en un seul sort. D'accord. C'est-à-dire, les deux, c'est juste un petit cochon, ou un petit crabe, ou un petit écureuil tout mignon, tout gentil. Ouais. Pendant pas très longtemps, d'accord. Mais quand même, c'est deux joueurs qui sont contrés avec un sort. Là où un stun ne stun que Shogal, Gal, lui, il n'est pas stun. Le deuxième contre, mais par contre, c'est vraiment ce contre est d'une violence. C'est Anubarak. Anubarak, il a deux ultis. Il a la nuée de sauterelle et l'autre, c'est le cocon. Et bah, en fait, quand il fait le cocon sur Shogal, les deux joueurs sont dans le cocon. Ce d'accord. qui fait que dans un teamfight, bah, si l'équipe adverse ne gère pas le cocon, il se retrouve à 3 contre 5. Ouais, et ça, c'est et s'il gère le cocon. Ça fait mal, ça, oui. Et eh bah, il te tape pas toi pendant ce temps-là. Résultat, il y a Shogal en face, vous prenez Anubarak et Luizel, vous êtes sûr et certain que le Shogal il fait rien de sa vie. Et c'est dur, hein. C'est, bah oui, parce que ça pénalise deux joueurs en même temps, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, après, il est tellement fort que. Quand et il en quick match, si vous l'affrontez, je vais vous donner une technique qui, avec Diablo, est infaillible. Vous allez expliquer à votre team que vous allez essayer de solo votre lane. C'est-à-dire qu'en gros, vous voulez pas d'aide. Vous voulez pas faire avancer votre ligne de votre vague de creep. Vous voulez au contraire que Shogal avance jusqu'à vous. Et si le show est un peu trop greedy et commence à essayer de taper les tours, on va peut-être falloir traduire parce que greedy. Non, ça les, me parle les, pas moi. Non, les gens. Bah moi, je connais pas. Greedy, c'est-à-dire c'est. Voilà, hein. J'assume. Bon. En gros, qu'il est un petit peu trop imprudent, voilà, qu'il veut ouais. aller trop vite et qu'il prend trop de risques, d'accord. clairement. C'est quand même deux joueurs. Donc, en gros, Diablo, tout seul, il peut pas gérer deux joueurs. Il peut pas gérer un tank plus un assassin distance. C'est impossible. Oui, oui, oui. Mais le fait qu'il s'approche de votre porte en early game, il va taper la porte, il va taper les tourelles avec ses vagues de creep. Il prendra pas les tirs puisque sa ligne, sa vague de creep est avec lui. Vous l'attrapez, vous le passez de l'autre côté de la porte et votre fort et vos tourelles font le reste et vous avez tué deux joueurs et vous avez une XP qui est oui, oui. bien pour un early game. Alors vraiment, ok, vous avez perdu des munitions sur vos tourelles ont perdu de la vie, mais qu'est-ce que vous êtes bien. Qu'est-ce que vous êtes bien. Ça te fait plaisir un petit oh peu. Oh là là, là, là mais c'est marrant parce que en héroïque, ça marche jamais, ça ne marche jamais. À mon niveau, ouais. les gens sont trop bons pour ça. Par contre, en quick match... Suis-moi. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es bien quand t'attrapes un abruti comme ça face à Diablo. Mais
Moi, Diablo, c'est mon tank du cœur. C'est le tank que j'utilise quasiment tout le temps. On vient me saouler en héroïque parce que, ouais, Diablo, c'est pas vraiment un tank, c'est un 9-tank. Ah, si, quand même. T'as plus de, de grand-père. T'as plus de pépé. J'aime voir ça. C'est pas grave. T'as pas rigolé à ma blague. Bah, c'était pas très drôle. Je suis navrée. Je vais aller me suicider. Mais tu vois, faut que tu te rendes compte que c'était pas très drôle. Oh, ça suffit. Bref. Donc, je disais, s'il y a des intéressés, désolé, hein, je me suis un peu enflammé, n'hésitez pas à m'ajouter. Je vous partagerai Shogal avec grand plaisir. Donc, je vous rappelle mon battle tag. C'est Kiran dièse 1844. Tu t'en souviens? Toujours. Moi, c'est 2432. Bah, en fait, c'est pas dur de m'en rappeler. Dans tous mes contacts, je suis le seul et unique à avoir un 1 à la place du 2 de début. Oui. Oui, oui. 16-06. Siphon. Siphon, c'est ce qui va te permettre d'aller au Tourbzil. D'accord. Récupérer Lucio. C'est chouette, enfin. Moi, franchement, peut-être un petit peu plus tard dans l'aventure, mais je pense que ça pourrait être vachement intéressant de se faire une session où on va le récupérer, le Lugia. Parce que... Excuse-moi, Rodi, là, j'ai perdu le fil, j'étais en train de lire. Je disais que ça serait pas mal, peut-être un peu plus tard dans l'aventure, mais de se faire une session où tu vas capturer le Lugia. Non, tu dois sortir. Hein. Bah oui, bah, c'est pas par là. Il fallait suivre Peter, qui est parti à gauche. Donc c'est hey, pas mal. Peter! Reviens. Oui. Voilà, fini. Non, à là, droite. Tu vois un escalier, tu veux pas le prendre, pourquoi? Voilà. Parce que je sais plus, moi. Voilà, donc va les soigner, la reine est dispo, ouais. Et honnêtement... Je pense que je la ferai... On n'est pas sur un épisode super long, là. Bah ouais, mais là, vu comment je bats, j'ai pas envie que ça soit tout pourri, parce que je suis fatiguée, tu vois. Tu peux l'entamer, voir si ça va vite ou pas. Oui. L'arène en elle-même est pas très très longue de mémoire. Il y a un. De toute façon, je m'y ferai ça en premier, mais la question se pose. Pas forcément. Parce que les Pokémon de type glace sont assez souvent de type eau aussi. Ouais. Résultat, c'est pas trop mal d'avoir un Pokémon qui a des attaques combat ou qui a des attaques de type roche. Parce que la glace, ça craint le feu, la roche, le sol, donc le combat, l'acier. Choupiette est bien. Paraboule est très très bien aussi. Ah non, mais Choupiette, comme ça, en fait, de toute façon, ceux qui vont te permettre de battre... je vais même te dire un truc. Même l'énergie est bien. Pourquoi? Parce que quand il y aura un Pokémon de type eau glace, oui, bien. Tu le zappes. Fais les premiers à gauche et à droite d'abord. Parce que ceux-là, normalement, si tu fais le bon chemin, tu vas pas te perdre. Vas-y, sweep. Voilà. Ça, ah, c'est l'arène où tu dois... Où tu glisses. Où tu glisses. Qu'est-ce qu'elle fout avec des skis? Bah, elle l'a dit. Vire de mon slalom. La montée. Tu vois, là... Au glace. Voilà, ça. Là, il aurait été embêté, Ferrisson. Ouais. Ouais, boule armure. Allez, boule armure. Mais tu vas prendre cher, hein, franchement. Oh, tu vas prendre. Ouh là là. Ouais. Non, ça va. Ah merde, non, ça c'est pas bon ça. Non. Non, 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 continue. C'est pas censé le faire à 100% le coup de. Bah, on verra, hein, si j'ai de la chance ou pas. Coup de boule. Non, ce qui est bien, c'est qu'il le fait après toi, donc il ne peut pas t'apeurer. Meurs, lamentin. J'aime pas du tout la musique. Pourquoi? Ah, je sais pas, là s'il y a eu un enchaînement qui m'a pas plu du tout. On va souplesse. Peut-être pas prendre souplesse, non. Attends, montre-moi tes capacités, je suis pas convaincu. Non, mais en fait, c'est bon. Ton Fouinard, il a déjà ses attaques définitives. Ah ouais? Oui. D'accord. Oui. On garde boule armure et roulade, qui sont le combo, et force, tu peux plus l'oublier, et coupe, tu peux plus l'oublier. Point. Ok.
Hein, c'est, ça a le mérite d'être simple. Oui, oui. Tu, en fait, il n'a que deux attaques. Roulade et boule à armure. Otariel. Et il est bien, Ferrisson, là. Hein. Il est bien. Otariel, il a pas l'air très futé, quand même. Hein. Oh là. Hein, je crois que c'est le fait qu'il est à la longue sortie. J'ai l'impression que t'es un peu trop loin du micro, là. J'ai... Et là, c'est mieux. Non, c'était mieux. J'ai mal. C'est pas grave. J'ai mal. Meurs. Ça changera pas grand chose. Mais en quoi ils... Pourquoi ils lui ont fait une tête bête à Otaria? Je sais pas. Je dirais que c'est la fusion entre un aspicot et... Un aspicot? Ouais, parce que regarde, il a la petite pointe, il a le nez, comme toi aussi, tu trouvais qu'il avait un nez de clown, l'aspicot. Oui. Bah, voilà, pour moi, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir aller la soigner. Ouais, y aller. Après ça. Oh, là, en fait, là, non, 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 c'est Linka. Et j'espère que t'as pas reset normalement. Mais regarde, elle a mal. Mais oui, mais on s'en fout, elle l'a one-shoot, regarde. Ah, pff, peut-être pas. Purée de la mentie. Ah, merde, elle a vraiment de la résistance. Hein. Bon, ça change rien. Ah, de la purée, je te dis, de la purée, des confettis. De la brandade. Dis donc, hein. Oui. Pour quelqu'un qui se veut respecter les animaux, t'es violent avec eux, hein. Je les ai pas vus qui. Je les ai pas vus qui. Ouais, tu vois, ça commence à faire un peu du caca, là, les mots dans ma tête. Enfin, non, dans ma tête, ça va bien. C'est quand je C'est le dans dis. La bouche. C'est quand je le dis que ça va plus. 29. Wouhou. T'appuies trop vite, on n'a pas le temps de voir les stats. Ça perd l'hippopète. Je n'ai rien pu faire. C'est Tintin, en fait, qui est caché, là. Ouais, il fait du snowboard. C'est ça. Allez, on va soigner. Parce que là, elle a mal, quand même. Elle a pris un peu cher. Oui. Au final, je me disais que si tu attrapes Lugia, c'est ton Xatu... Enfin, ton... Ouais, c'est un Xatu, déjà, ouais. C'est ton Xatu que tu vas remplacer. Y a pas photo, moi, je trouve, entre... Ah, attends, le bon chemin, il est à gauche. Non. Non, non, non. Vire. À gauche. Mais alors? Là, non, à droite. Non. Non, non, non. Là, oui. Voilà, je sais que ça commence là. On continue. Tout droit. Tout droit. Voilà. Bon, au niveau 29. Oui. Mais il a rattrapé son retard, hein, ça y est. Les autres, ils sont niveau 31-32 plutôt, non? Ben, je crois pas. Bon, toujours pareil. Je crois Et pas. Tu as remarqué, là, ils sont tous Pokémon. Enfin, ouais, tous ouais. Des Pokémon de type O ouais, aussi. Oui, tout hein, à donc, fait. Bon. Le feu pour cette arène... Ouais, c'est pas le mieux. Non. Oh, bah pourquoi? Repli. Non, continue. Ah! Quoi? C'est pas efficace. J'ai entendu que c'était pas efficace. J'aimerais bien comprendre. Il est pas type glace? Coquillas n'est pas type glace? T'es Ou alors pas. La roche n'est pas efficace sur la glace? Qu'est-ce que c'est que cette vanne? Oulala! Oulala! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les histoires? Je change, je prends qui? Non, 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 il est placé. Il ah est oui, placé. C'est vrai que... Crustabri! Il est pas très beau, hein? Voilà! Ah bah, Coquillas, c'était peut-être pas de type glace. C'est possible. Bah, apparemment. Non, mais après, là maintenant, faut que tu arrêtes de poser cette question. À partir du moment où elle est placée, tu la changes pas. Oui, oui, tout à fait. Ah, elle est placée, je veux dire. Eh, hey, tu one-shoot un ronflex, là maintenant. Ouais,
Ah bah alors, ouais, quel est l'intérêt de changer? Je préfère me complu que là, mais c'est tellement plus simple. Piète et gère. Voilà, donc là maintenant tu fais un coup à droite. Et là tu descends. Tu vas à gauche. Tu montes. Et voilà. Si tu lui parles, tu squeezes les deux autres que t'as pas affronté. Ouais, j'ai envie. Là, sous de le squeezer. Ouais. Allez. Allons-y. À partir du moment où tu l'affrontes lui, les deux autres ne t'attaqueront plus. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. C'est un vieux. Ouais, on va pas être un vieux. Ça se fait pas normalement. Là, au Japon, c'est un sport national. De battre les vieux. Ouais, malheureusement. Ouais. Allez, on place sous. On va placer Choupiette. Est-ce que tu as vu autre chose qu'un Pokémon glace eau hein? Non, non, non. Alors, non. Il me semble qu'il y avait du Lipoutou quelque part, mais je sais pas où. Lipoutou. Ça me fera toujours penser à Creed, ça, maintenant. Ça vient de là, les Lipoubisous. Les Lipoubisous. Moi, je le dis pas trop. Non. Les Chocobisous. Tu dis plus rien, maintenant. Les bisous. Oui. Les bisous. Parce que là, c'est parce que t'es un peu bête. Quoi? C'est parce que t'es un peu bête. T'as trop simplifié, ça devenait trop compliqué à retenir. Ouais, c'est possible. Non, Chocobisou, c'est cool. Hein. Je le mets souvent sur Facebook, ça. C'est parce que t'es au régime. C'est pour ça. C'est ça. Ça me donne envie de chocolat à chaque fois, donc ça va. Vas-y. Non! Ta vie, c'est bien. Ta vie, j'ai écouté. Au début, ça faisait clac-clap, mais sans bruit. Jouez ça. Ça faisait flap-flap-flap. Flappy-flop. Petite précision. Cochignon. On ira chercher ça en off. Ouais. Avec l'écaille rouge. J'ai vu ça sur Internet. Il y a un PNJ, il me semble que c'est Mister Pokémon. Tu lui échanges ça contre un multi-expérience. D'accord, c'est cool ça. C'est intéressant. Ah oui. Alors par oui. contre, ça fonctionne pas du tout comme AX et Y, hein, malheureusement. Ah ouais. AX et Y t'active et puis. Ouais, ils montent. Et puis ouais, mais ça c'est n'importe quoi. Non, en fait, le multi X, tu le fais tenir à un Pokémon. Ouais, mais ça fait quoi? Ah d'accord, et ça fait que. Attends. Que à ce Pokémon. Est-ce que tu le fais tenir à un Pokémon? Je sais plus comment c'est censé fonctionner. Parce que c'était un peu bizarre dans les premières versions. Vent glacé, c'est ça? Ce qu'il a utilisé, ouais. C'est vent glacé parce que y a pas l'attaque. Vent glacé? Vent glacé. Ah oui. Réduit la vitesse. Est-ce que t'as un Pokémon à qui ça serait judicieux de l'apprendre une attaque de type glace? C'est bien, tu t'es coincé. Bien. ça va. Bon, bah tu vois, regarde. Ouais, c'était très rapide. Ah bah. Off arm. Comment on va? J'ai quelque chose d'étrange. C'est produit avec des émissions de radio. Il s'est en train d'en parler de Team Rocket. Ken, sais-tu quelque chose là-dessus? Fais attention. Clic. Bon, là, en gros, on te dit écoute la radio pour savoir où tu dois aller. Donc, ouais. C'est ce qu'on fera la prochaine fois. Tout à fait. Là, je vais soigner et on va stopper là. Avant que je décède de sommeil. Tu crois que c'est possible? Que tu? De décéder de sommeil. Oui. Si tu dors pas, tu meurs. Des Coréens l'ont fait, des Chinois aussi. Mais comment tu peux faire pour ne pas dormir au bout d'un moment de toute façon? 4 ou 5 jours. Non, mais tu vois, c'est ça, je comprends pas, parce qu'au bout d'un moment, moins tu dors, plus t'es fort. Mais non, mais je veux dire, ton corps, au bout d'un moment, il te dit, mais non. Je t'emmerde, je me repose. Ouais, mais non, parce que la luminothérapie suffit à maintenir le cerveau éveillé. Ouais,
Non, ça me dépasse. Je suis désolée, mais je ne peux pas concevoir ça. Si t'es dans un jeu qui est très intense, donc autrement dit, pas du MMO, hein, du jeu vraiment, vraiment intense, genre un MOBA ou du Counter-Strike like. Hein, Oui. C'est tellement prenant, c'est tellement intense. Je veux dire, tu dois tellement être concentré que... En gros, t'as des décharges d'adrénaline qui te maintiennent éveillé. Tu rajoutes à ça la luminothérapie, donc le flash de l'écran en permanence. Même si t'es fatigué, au final, tu dois maintenir ta concentration. Parce que tu le sais, parce que c'est comme ça, parce que le jeu veut que... Donc, il y en a qui lâchent l'affaire. Et il y en a qui sont plus acharnés et qui tiennent plusieurs jours. Et qui meurent. Ah oui, qui meurent vraiment. Ah bah ils ont tout gagné ceux-là, ils sont balèzes. Bah t'en sais rien, peut-être qu'il a gagné sa partie. Ouais mais c'est con. Peut-être qu'il est mort au moment où il gagnait sa partie. Ah bah tant pis pour lui, il a eu qu'à la gagner avant. C'est ça. Bon, on va arrêter de parler de ça. Hein? Bref, en espérant que vous puissiez reprendre le cours de d'une vie normale par rapport aux événements récents, soyez prudents, il y a beaucoup d'annonces très inquiétantes. Évitez les gros rassemblements, j'ai envie de dire. Après, je peux comprendre qu'on ait envie de se regrouper. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est responsable de ses actes. Mais soyez vigilants. S'il y a des consignes de sécurité, c'est pas pour rien. Libre à vous de les suivre ou pas. Prenez conscience que les choses vont évoluer très vite et que cette fois-ci, notre pays va vraiment manger ça de plein fouet. Ouais, là c'est nous qui... Ouais, c'est la France qui est clairement visée, donc... À mon avis, pas que, mais... Là, ça se passe bien à domicile. Ouais. Et c'est pour notre génération. C'est ça. Donc, voilà. Allez. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Et à très bientôt. À bientôt. Salut.